Alerte spoiler. Vous allez assister au résumé de l'œuvre Resident Evil Biohazard en question. Donc, encore une fois, attention aux spoilers. Dans la première partie de Resident Evil 5, Chris Redfield et Jill Valentine ont eu l'information d'où se trouverait Oswell E. Spencer en Europe et donc s'y rendent en août 2006. Ils explorent un domaine ressemblant beaucoup au manoir Harkley qu'ils avaient exploré plusieurs années auparavant. Ils y trouvent des cadavres et des créatures nommées Blob. Au bout d'un moment, ils parviennent à atteindre la grande bibliothèque. Ils y trouvent Spencer mort, tué par Albert Wesker. Un combat s'engage contre leur ancien capitaine qui a une grande supériorité sur les deux. Alors que Wesker met Chris à sa merci, Jill se sacrifie en sautant par la fenêtre avec Wesker.